Matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle semaine. Eh bien, nous entamons la troisième semaine du mois de novembre. Nous sommes lundi 14 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Eh bien, nous continuons cette semaine avec l'oracle de l'énergie. Et nous terminerons par les messages de ton âme. Voilà, de très, très beaux messages hein, de cet oracle. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé cœur brisé à l'endroit. Deuil et perte. Alors on peut voir hein, que c'est un cœur qui est déchiré hein, en deux. C'est un cœur qui a été brisé et qui relève peut-être chez certains d'entre vous de la noirceur. C'est peut-être aussi le vide et une larme emplie de chagrin. Pour certains d'entre vous, eh bien, cette blessure peut être datée d'il y a longtemps ou avoir été causée par un événement peut-être plus récent. Et d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, eh bien, il y a une profonde guérison qui est nécessaire. Vous devez faire un deuil d'une perte. Vous devez vous guérir de cela. Exprimez vos sentiments et n'en voulez plus à la personne ou à la situation qui est concernée. Ça ne sert à rien d'en vouloir, n'est-ce pas? Pardonnez. Il est difficile, c'est vrai, que lorsque notre petit cœur a été blessé, il est difficile de pardonner et de guérir, mais avec le temps, n'oubliez jamais que le temps est un allié. Le temps va vous permettre de guérir de cette blessure. Affirmez que vous vous réappropriez votre pouvoir et votre tranquillité d'esprit. On vous invite à ouvrir votre cœur, à la lumière de l'amour divin et à la guérison, et ayez, eh bien, de la compassion envers vous-même durant ce processus qui est difficile, n'est-ce pas? Faire un deuil, ça peut être un deuil d'une séparation, un deuil d'un amour véritable, qui était profond. Ça peut être un deuil aussi d'une personne que vous avez perdue, qui est partie dans l'autre monde. Il y a une souffrance et puis il y a un deuil à faire. Et ce n'est pas évident. Prenez soin de vous et faites-en, eh bien, votre priorité. Il est temps que vous fassiez un lâcher-prise sur des expériences qui vous a blessé. Ça peut être aussi des vieilles expériences hein, que vous n'arrivez pas à guérir. Alors aujourd'hui, eh bien, cette carte, elle vous demande d'ouvrir votre cœur, à l'amour véritable et indéfectible que vous méritez tant, parce que vous méritez, évidemment. Le deuil, c'est un processus. C'est comme une perte. Alors, il y a la colère. Là, il y a, en premier lieu, il y a, on n'accepte pas. Puis, il y a la colère, n'est-ce pas? Et puis, on doit se mettre à l'évidence. C'est comme ça. Et là, il faut prendre son parti de faire son deuil.
de la situation. Ah, tout ça, c'est pas facile, hein. Vraiment. Je suis aussi bien placée pour le savoir. J'ai eu ma part aussi des deuils que j'ai dû faire dans ma vie. Eh bien, pour vous, c'est peut-être la même chose. Vous avez peut-être des deuils à faire. Il y a une guérison à faire. Et si vous avez mis votre petit cœur dans une cage et que vous avez fermé cette cage, que vous avez mis un cadenas, eh bien, aujourd'hui, on vous demande d'ouvrir cette porte de cette cage, d'ouvrir le cadenas et de vous laisser aller, de mettre les rancunes derrière vous parce que vous n'avancez pas. Donc aujourd'hui, oui, en effet, vous avez eu le cœur brisé, vous avez eu mal parce que ça fait mal, ça fait terriblement mal psychologiquement. C'est très dur, mais la roue tourne, la vie elle continue, et la roue tourne. Et dites-vous que tout ce que vous avez vécu jusque maintenant, oui, il y a eu de la rage, de la colère, il y a eu de la tristesse, mais vous avez appris et ça vous a fait devenir plus grand. Waouh, quel message pour commencer cette semaine, n'est-ce pas? Et aujourd'hui pour l'affirmation, je me libère du chagrin du passé et je vis en ayant de la compassion envers moi-même. Dorénavant, l'amour me guérit et me renouvelle. Message de ton âme, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis présentement? Eh bien, il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Voilà le message de ton âme pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.